Hello les gens, c'est Gilned, et cette fois-ci, on se retrouve pour un épisode consacré à Sephiroth. Vous voyez, on a une couronne sur la tête, c'est parce qu'on avait terminé les bolets. D'ailleurs, fallait très strongus de l'organisation. D'ailleurs, j'ai pas vu leur Keyblade. Ah ouais, elle a beaucoup de magie. Mais 0 XP, c'est... Pour voir. C'est moi ou elle est vachement grande? Bon. Quoi qu'il en soit, on va remettre Ultima. Et on va se préparer pour ce combat comme il se doit. C'est Sephiroth, donc. Élixir. Élixir à fond. Parce qu'on connaît bien son meurt en sans cœur. Que je déteste. Qui nous met à un point de vie et un point de magie. Il va le refaire très certainement, c'est sûr certain. Ok. Il va rien nous donner comme objet. Je vais remplacer l'anneau de fortune par... Il me faut de l'attaque. Ok, bon ben pour l'attaque ça sera... La fine lame. Je regarde au niveau des compétences. Tiens, on va booster l'XP. S'il n'y a pas d'autres choses qu'on puisse mettre. Non, il n'y a pas d'autres choses. Ok, très bien. Ah oui, j'ai pas montré, c'est dans le carnet. Allez, on va faire ça, puis après c'est fini. Oh, les 100 coeurs, on les a complétés. Docteur S 100 coeurs. Le bolet numéro 13. Ce bolet est apparu dans une lumière divine et a confié à Sora un trésor ancestral pour le féliciter d'avoir battu en duel tous les membres de son clan. Forcément dans une lumière divine, lumière parce que Roxas, voilà. Le journal de Jiminy se complète peu à peu, je rappelle qu'il me le faut en entier. Attendez, une dernière chose. On va enlever Glacier. Je vais mettre mes élixirs. Sachant qu'on n'aura pas nos compagnons. Allez, petit tour de chauffe. Hop. On est vraiment bien puissant. Je suis niveau 90, ça va le faire je pense pour Sephiroth, c'est largement suffisant. Je pense, il me semble que c'est pas dans le 2 en tout cas, dans le 2 faut pas être proche du maximum. Le Sephiroth de Kingdom Hearts 1 est bien plus dur que le 2. Allez, on y est. On est prêts les gens. What is Cloud doing? Il t'attend. Beats me. By the way, you three. Who are you? Well, I'm not sure we should tell you. Well, that's an interesting sword. T'as vu, c'est Ultima? It's the Keyblade. I see. So that's a Keyblade. And I suppose you must be its chosen wielder. On a pas la couronne. So what if I am? I wonder if it won't change its mind. Allez, tu peux venir, mais avec la musique, j'ai pas peur de toi. Quoique, la musique, elle fout le stress. Bon, allez. Non, je connais tout ce que tu fais. Stop, tu t'arrêtes là. Allez, un petit coup dans les airs. Là, sa barre de vie part à une vitesse folle. Oh, putain. Carré pour bien se remettre. Il est déjà en phase 2. Oh merde. Heureusement il nous fait beaucoup moins de dégâts. Putain, je vais me faire voir. Ah, ça nous attire contrairement au 1. Hop, charge furie, on en profite. Merde.
Elixir, vite, on se dépêche. On se dépêche. Oh putain. Cette attaque est redoutable, va falloir que j'y fasse très très attention. Merde. Non, c'est bon. On a fait un bon timing. Merde. Est-ce que ça s'esquive? Non, putain, ça s'esquive pas du tout. Ouh. Faut vite le tuer. Il passe en phase 3. Putain, il s'énerve. Merde. Non, c'est bon. Putain, une aura rouge qui l'entoure. Allez. Non, l'ange sans cœur. On se dépêche. On part. Merde. Merde. Bâtard. Oh putain, la supernova. Merde. Putain, il est insensible à tout. Allez, je t'ai chopé. Et voilà, terminé. Jauge de feu augmenté. Putain, il était vraiment facile. Bon, en même temps, niveau 90, ouais, c'est sûr que... Memory Fudge, yes. How'd you like that? I admit you're very skilled. But apparently Cloud is the only one who can eliminate me. Tu rigoles, il est nul, Cloud. Comparé à nous. Tell Cloud to come here. Tell him Sephiroth is looking to settle things. Le One-Winged Angel. Ok. C'est cool. Bon. Je vais mettre un terme à ceci. Bon, ben, on va aller chercher Cloud. Ben, vous voyez, c'était pas si difficile. Je pense qu'il y a moyen d'esquiver les anges sans cœur, peut-être en le tapant ou quoi, mais étant donné qu'il est assez haut dans les airs, je vais pas prendre de risque. Parce que si je fonce dessus, que je fais un combo et que je le loupe, ça le fait pas. Parce que du coup, il fait son ange sans cœur et je me prends tous les dégâts, j'ai plus de points de magie. Et surtout, je suis très près de lui. Alors du coup, le temps que j'utilise l'élixir, je pourrais me faire tuer. Mais il est beaucoup, beaucoup moins dur que Kingdom Hearts 1, je trouve. Mais bon, visiblement... T'es encore là, toi? Ah non, c'est mort. J'en ai fini avec ces mini-jeux. J'en ai fini avec ces mini-jeux. On va aller trouver Cloud très vite. On va ignorer ses 100 cœurs. De toute façon, maintenant, niveau 90 ou 99, je sais pas s'il y a une grande différence. Hein. Je vais tout faire maintenant. Ce qui va être super chiant, c'est les coupes de colisée que je dois me refaire. Putain, ça va être casse-couille. Ah, vous avez eu Sephiroth? Oui, on l'a vu. Allez, on y va, mon grand. Il est au précipice des ténèbres. Très bien, l'heure est venue d'en finir. Ouh. Je rappelle qu'ils se sont affrontés dans Kingdom Hearts 1 Final Mix. Et qu'ils avaient disparu. Visiblement, ils n'avaient pas réglé les choses. On va aller rejoindre notre blondinet. Tiens, d'ailleurs. Ok. Tu veux pas une preuve de tranquillité? Non. Ok. Est-ce
En tout cas, ça me fait marrer cette couronne parce que c'est comme dans la jaquette de pour Kingdom Hearts 1 Final Mix. Pas Final Mix, Kingdom Hearts 1 Remix tout simplement. 1.5 Remix. Je vais y arriver, putain, j'y. Wow. Il nous reste plus grand chose à faire. Enfin, vous à regarder, il reste plus grand chose. Moi, oui. Normalement, j'ai presque fini tous les mini-jeux sauf le Colisée. Il y a que le Colisée, je crois que j'ai pas terminé. Parce que le Colisée, il y avait un truc qui était super dur avec l'entraînement de Phil, où je dois faire 1000 points et c'est ultra galère. Faut que je trouve encore la technique. Et puis après, je vais devoir refaire tous les défis du Colisée d'Hadès. Alors vous verrez la coupe Hadès, mais vous le verrez pas en mode défi, quoi. C'est mort. Parce que ça va peut-être prendre plusieurs essais, et puis ça sert à rien, je pense, de revoir deux fois la même coupe. Maintenant qu'on est niveau 90, je me demande si le Lingering Wheel, enfin je dis Spirit à chaque fois, c'est Lingering Wheel, la volonté persistante sera aussi forte que ça. Face à nous. Did you give him my message? Ah, on n'est pas ton pigeon non plus. Maybe. Sorry to keep you, Sephiroth. Oui, pas content. Cloud. You'll never let go of the darkness. Shut up. You'll never let go of your past. Shut up! Cloud, get him! Oula. Absurd. Defeating me is meaningless. You know that more than anyone, Cloud. No matter how many times I fall, your darkness keeps calling me back. Wrong. Tifa, stay back! How can I? I want to help you! You can't. He'll never let go of the darkness. He doesn't have to. He just needs someone to surround him with light. The darkness will be there, Sephiroth. But in a place you can't reach. Is that right? Let's see what this light of yours can do. Ha! Ouh. Elle veut se battre. No! Ouais, mais c'est Sephiroth que t'es en face, hein. C'est sûr, c'est contrarié. Stop. Oh, on ne verra toujours pas l'issue de ce combat. Ils sont partis dans Kingdom Hearts 3. Do you think they made it back to non, dans Kingdom Hearts 3, ils sont partis. They went somewhere else. Cloud went to fight a great battle, to defeat the darkness inside him. Gone again. What will you do now? Depuis quand t'as les yeux rouges, Tifa? Guess I'll keep looking. Got any leads? Don't worry. Light is easy to find. I gotta go. Here, this is for helping me out. But wait, when did we help? On a quand même tabassé Sephiroth et on a fait le pigeon voyageur. Fenrir, longue portée et grande force, mais réduit d'un coup les combos au sol et en l'air. C'est dommage, ça aurait été pratique ça pour les voler. On a quasiment toute l'équipe Blade du jeu, non? Waouh, elle a beaucoup d'attaques.
Il me manque quoi comme Keyblade? Je sais pas, ça doit être dans le Colisée ou alors les répliques de l'organisation. Ah, on a gagné une jauge de flux. On a 8, comme si on en avait pas assez déjà. personnage. Sephiroth. Non, c'est Cloud qui a été changé. Ah, putain de téléphone! Désolé, petit souci. Allez. En tout cas, c'est la fin pour cet épisode avec Sephiroth. La prochaine fois, on ira faire le Colisée, je pense. Puis après, ça sera la réplique de l'organisation. Et enfin, la volonté persistante. Allez, je vous laisse. Ciao les gens.